C'était une demande des autorités sénégalaises pour documenter l'épave, déjà pour la retrouver, voir dans quel état elle était. Nous étions les premiers, je pense, depuis 20 ans à rentrer à l'intérieur. L'épave est fortement délabrée. On imagine bien que depuis 20 ans, dans une faible profondeur d'eau, c'est-à-dire entre 18 et 20 mètres, tout ce qui se trouve ici, que ce soit une épave ou autre chose, subit les à-coups de la mer, c'est-à-dire les tempêtes, les marées, les courants, et ce n'est que du métal. Donc un bateau en métal travaille, quoi qu'il arrive, il y a la corrosion de la mer, hein. Il y a toute une partie, notamment vers l'avant, qui est en train de s'ouvrir en deux. On voit quelques hublots. Comme la coque est retournée, on voit les hélices. Hein, elles sont toujours là, présentes, les deux hélices en l'air, tournées vers le haut, vers le ciel. Lorsqu'on progresse vers l'arrière, donc vers l'entrée de la cale, on peut voir, si on pénètre un petit peu à l'intérieur, des restes de véhicules qui sont à l'envers, hein, forcément. On voit les roues en l'air aussi. On ne peut pas rentrer trop profondément à cause de ce courant et de cette houle. Ensuite, si on ressort de la cale et qu'on continue la progression, on va vers les parties qui commencent à être un peu donc ouvertes. Et là, on voit des vêtements, des objets qui appartenaient à des personnes, hein, évidemment. Et ensuite, on voit qu'il y a encore beaucoup d'ossements qui gisent sur le sable. Et malheureusement, un petit peu à l'extérieur, puisque l'épave étant en train de s'ouvrir, les courants aidant, ça éparpille un petit peu tout ça. De mon point de vue, il serait utile, c'est pas le bon terme, c'est pas utile, mais il serait bien de pouvoir récolter tous ces objets, et surtout les ossements, pour qu'ils puissent rejoindre une sépulture digne de ce nom. On ne peut pas laisser les choses en l'état, ne serait-ce que par respect pour les familles. Ça, ce serait une chose qui serait pas trop compliquée à faire. C'est assez marquant, hein, c'est très émouvant, puisque on sait qu'il y a eu beaucoup de femmes et d'enfants à bord. On peut pas, enfin, en tout cas moi, je peux pas m'empêcher de penser à ces pauvres personnes.